Hey, bonsoir tout le monde! Hey. Bonsoir! Hey, salut, c'est Alex Ninja et coiffeur. Ninja Coiffeur. Comment ça va, Yes. Ninja? Ça va bien, hey, on a des t-shirts, hein, on est-tu pas hot, rien Hey, qu'un on peu, on va dire. commence à avoir de l'allure, on Astique. On commence. est ready, ready, ready. Ah oui, ça va Yes! bien, ça va très bien. Hey, puis c'est ça, si jamais vous voulez faire partie de la grande famille de Radio Pointeau, il y a des t-shirts pour vous autres maintenant. Vous pouvez aller à la boutique Etsy de 400 cases et vous procurer les merveilleux t-shirts de Radio Pointeau. Ce que ça fait, c'est même pas écrit dessus. Ben, il y a deux modèles. Il y en a un qui est écrit dessus, puis l'autre qui n'est pas écrit. Vous arborez le merveilleux logo de Radio Pointeau. Et en plus de ça, là, ça vous fait de quoi à jaser? Il y a deux gars à Pointeau, là, ils font un show de radio Est malade. sur Twitch. Ils Oui. parlent de Pointeau 30, tu sais. Puis là, t'expliques ça, c'est malade. Fait qu'allez voir ça. Puis sur la boutique Etsy, ben, il va y avoir d'autres chandails. J'ai fait un chandail aussi avec Papa DM cette semaine, un chandail de style Donjon Dragon pour des Healing Oh, Potions. papa. Oh, Martin, salut! Martin papa, papa qui est Comment là. ça va, pa-pa-pa? En Oh. forme, Martin! Ah. Puis pour enchérir sur la boutique Etsy, là, moyennant un supplément, vous pouvez avoir des t-shirts de Radio Pointeau imprégnés de notre odeur Ben, corporelle. t'es enverras toi-même! Ah, c'est ça. Évidemment, vous auriez compris que c'était une blague. Ben oui! Je vais Eh juste oui. mettre de quoi? Yes, good show les boys! Merci! Merci, Martin! Merci, Martin. Attends un peu, le chat, la boîte de chat est trop en arrière. Fait que je vais juste ajuster ça. Fait que de quoi qu'on jase ce soir, là, t'as-tu de quoi à nous dire pour commencer, mon ninja? On a Ben, de quoi qu'on jase au début à Radio Pointeau, habituellement, on jase de bière. Ben De oui. la bière, eh oui. Et ce soir, je suis sans grandes acquisitions là, de ce côté-là. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mon clavier Yamaha là, sur lequel je flash des objets habituellement. Ce soir, je voulais faire un petit applaudissement à ceci. Cette compagnie-là qui nous fournit en bière, là, j'imagine peut-être en dehors de Montréal, mais qui est la brasseur, qui est les brasseurs de Montréal, dans le fond. Je me suis mis à acheter ça il y a à peu près 6-7 mois, là, même avant ça, là, en début de pandémie. Je l'avais suggéré à certains de mes amis parce que c'est de la très bonne bière, vraiment pas chère. Habituellement, je m'achète toujours des bières fancy, puis des fois ça revient cher à un moment donné, Alex. Je sais pas ce que t'en penses, là, Ben mais d'accord, ben d'accord. tu sais, d'acheter des. Mais c'est le fun de s'acheter du luxe une fois de temps en temps, mais c'est aussi le fun de s'acheter des bières un petit peu moins chères, puis qui ont du goût. Donc, les brasseurs de Montréal. Je sais pas si tu peux montrer le site Internet vite vite. Ils ont un site web super bien fait. Ouais, on Il le y a un voit. restaurant aussi, on peut aller manger là-bas. Là, j'imagine que c'est juste de la terrasse actuellement. Mais ah oui, on le voit bien, là, le site des brasseurs de Montréal. Donc, ils ont toutes sortes de bières avec des titres là, toujours qui ont rapport à Montréal. Celle que je tiens en ce moment, c'est une blonde qui s'appelle la Griffintown. Vous l'avez peut-être déjà bu, là, toutes ces bières-là. Là. Moi, celle que je trouve la meilleure, parce qu'on me dit au dernier podcast que j'étais un hopman. Et un hopman, c'est quelqu'un qui aime des... Hophead. Ah, excuse-moi, un hophead. J'ai comme peur de ce qu'un hopman pourrait être. Là, en tout cas, fait que c'est ça. Ma préférée, moi, c'est celle que j'achète souvent, là, la mère IPA. Qui est une Indian Pale Ale, des brasseurs de Montréal, qui a un pourcentage d'alcool de 6,8, qui est vraiment délicieuse, Alex. Je sais pas ce que tu en penses, moi je Ben oui, l'aime bien. moi je les aime toutes. Je trouve que ça fait il y a un bon rapport qualité-prix avec ces bières-là. Puis je tiens à dire Ouais, par contre puis. que c'est pas nos Oui. commanditaires, mais qui sait, Ben. peut-être. Ah, peut-être un jour, là. Écoute. Puis, tu sais, c'est ça, c'est qu'ils ont des paquets aussi de variétés. Tu sais, comme là, t'as deux, ben, comme à peu près toutes les brasseries, là, qui font, là. Mais j'aime bien leur variété, là. À part les blanches, c'est peut-être moins mon trip, là. Les blanches, je trip moins là-dessus. Mais il y en a juste deux dans un paquet de 18. Fait que tout le reste, c'est des bières que j'apprécie. Fait que. Ben, c'est Yes. ça. Fait que c'est ça côté bière, Alex. C'est Ouais. bon. Moi, ce soir, Ouais. je vais essayer ceci, qui n'est pas une bière,
C'est. M'a l'essayé, là. Puis écoute, au pire, je le boirai pas. C'est du old fashioned en canette. Ah, c'est ça, du whisky? C'est Wow! un genre de petit drink Wow! avec du whisky. Puis Ok. d'habitude, c'est fait avec du cola. Pas du Phylactère cola, mais du cola. Avec une légère touche d'orange. Et vous comprendrez que Ah! je parle de Phylactère cola parce qu'hier, j'ai reçu Brazil. Ben oui, c'était vraiment intéressant, vraiment, vraiment intéressant. Mais je peux peut-être parler de ma gaffe, là, c'est que j'ai laissé mon stream allumé hier, puis trop longtemps. Puis là, à un moment donné, je dis, ah, mais m'a Non. effacé ça, puis je vais comme l'éditer et tout ça. Puis finalement, ben, Colin, j'ai tout effacé mes vidéos qui étaient de ma Ah page non! Twitch. De ma Ah page Twitch, non! fait que c'est pas grave. Mais au pire, vous pouvez aller T'as-tu voir fait le lapsus de ma page Twitch? ma page Twitch. Ouais. Ok, c'est un pas pire lapsus, Mais, c'est bon. Ben ouais. écoute, je pense que ça arrive à une majeure partie du. Ça arrive toujours à tout le monde de me demander pour une fois, là, je pense, là, dans Mais, leur ah, vie. mais j'ai pas mis notre chaîne, ma chaîne de YouTube, mais c'est facile à trouver sur YouTube, là, c'est 400 cases aussi. Fait que vous pouvez aller regarder ça, l'entrevue que j'ai faite avec Brazil, qui est sur la page YouTube. Et puis, profitez-en pour vous abonner aussi à la page de YouTube de 400 cases, où vous allez voir ça. Et Et de Phylactère Cola, ben oui, tant oui, qu'à y être, tant qu'à y être. Puis écoute. il y a aussi une page juste pour Radio Pointeau sur YouTube. Puis on a fait tout ça séparé là, pour pas mêler les cartes. Fait que il y a la page sur YouTube et le Facebook de Radio Pointeau que vous pouvez voir ici dans le chat si vous voulez vous abonner à ça aussi. Toutes les vidéos qu'on fait pour Radio Pointeau se trouvent sur cette page-là. Alors, je vous invite à aller regarder ça. Vous pouvez revoir nos anciens épisodes et vous pouvez voir les petites vidéos qu'on tourne. À date, c'est plus Ninja Coiffeur qui a travaillé là-dessus, là, mais les urbex et tout ça se trouve T'es tellement là-dessus. occupé avec tes 75 000 projets aussi, là, c'est un peu normal que Ben, c'est ça, moi j'ai un peu. c'est un projet à deux, là. C'est ça, C'est ça. comme on le disait, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps. Fait que je trouve qu'on a une belle Oui. collaboration là-dedans. Fait que c'est bien le fun. Ben oui. Hey, Ben oui, puis juste pour vas-y. revenir à Brésil hier, là, je dois avouer là, que moi j'ai été sur le site là, de Phylactère Cola, qui est un groupe d'humoristes, là, pour les gens qui ne les connaissent pas, des années 90, hein, je pense, Alex, Ben, qui il disait était à la hier. télé, début 2000. Début 2000. Écoute, ça a peut-être pas eu l'envergure de Rock et Belles Oreilles, mais ça a au moins eu le talent de Rock et Belles Oreilles. Moi, ça a été là juste 2 ans, mais ça vaut vraiment la peine de les découvrir. Sont complètement dans l'absurde, là. Puis, ils ont vraiment des sketchs super drôles. J'ai redécouvert ça hier, là, en écoutant. C'était intéressant. Nice. Ouais. Là, tu voulais nous parler aujourd'hui, ton premier sujet pour Radio Pointeau, c'est tu voulais nous parler du bois, du boisé de la réparation. Boisé de la réparation de Pointe-aux-Trembles. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir là, coudonc? Qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ben, écoute, c'est ça. Pour faire aussi, là, dans le fond, on le sait tous que Serge Bouchard, on a parlé la semaine passée avec notre invité. Al Frank. Al Frank est avec nous, qui lui connaît très bien l'histoire et on a parlé du décès de Serge Bouchard qui est mort le 11 mai 2021. Serge Bouchard qui était un anthropologue connu pas mal partout au Québec, peut-être même dans la francophonie et avec tous les peuples autochtones aussi. Là, je pense que lui-même Ouais. avait eu comme être devenu autochtone. Là, je connais pas beaucoup son histoire, sa vie, mais bon, c'est un personnage qui était quand même connu de Pointe-aux-Trembles. Et je suis tombé, pas par hasard, en Mais faisant des recherches sur lui. c'était un natif de Pointe-aux-Trembles, Serge Bouchard. Ouais, exactement. Puis je suis tombé sur un podcast. Qui a été faite par Jean-Philippe Plot sur un balado audio de Radio-Canada qui a été fait en 2017.
Et j'ai pas pu m'empêcher, comme on n'a jamais pu le recevoir, Serge Bouchard à Radio Pointeau, j'ai pas pu m'empêcher de prendre ce podcast-là, puis d'essayer d'en faire quelque chose avec. Tu sais, j'ai mis des images. Bon, vous allez voir, là, j'ai fait un petit urbex en lien avec ce podcast-là, mais je tiens à dire que c'est évidemment pas moi qui ai fait cette entrevue-là et que tout le mérite est pour ce journaliste-là. Là, il s'appelle Jean-Philippe Plot, Radio-Canada. Et donc, c'est une entrevue qui est en deux sections. Aujourd'hui, on va voir surtout la première section, Alex. Donc, j'ai fait une petite vidéo Ouais, que tu peux nous partir ça. on va aller voir ça. Avant, je veux juste dire Oui. que notre invité, Al Frank, qui était là la semaine dernière, a consacré un stream justement à regarder des vidéos puis faire de la lecture sur Serge Bouchard. Fait que si vous voulez aller voir le show de Al Frank du 11 mai, je vais vous faire un SO Al Frank, un shout-out à Al Frank pour aller voir sa page sur Twitch. Le 11 mai dernier, donc, il a parlé de Serge Bouchard là, suite à son décès là, qu'on a appris récemment. Donc, on va enchaîner avec ton vidéo, mon cher. Ben oui, merci, merci, merci. Attention, je vais juste tasser ça. Mettre le son assez fort aussi, là, des fois. J'ai tendance à... OK, fait Donc, je suis encore dans mes premières expériences d'édition, là, de vidéo. Soyez indulgents, merci. on va mettre le son fort, puis on part Ouais. ça. Go! Merci. En principe, vous devriez être impressionné par ce parc qui est religieux. Puis il est en santé, il est pas malade. En fait, là, on est où, là, Serge, pour qu'on se comprenne bien? Là, on est entouré d'arbres, il y a une église pas loin. Nous sommes à Pointe-aux-Trembles, dans le boisé de la Réparation. La chapelle de la Réparation. Et puis, c'est un parc, c'est un boisé, c'est magnifique. Mm-hmm. Et nous arrivons, et on va s'asseoir d'ailleurs. Il y a un gros, gros arbre, en fait. Il y a une petite pancarte qui indique 360 ans. Alors, on a un indice, là. On a un indice. Je pense qu'on pourrait en faire beaucoup plus pour le montrer plutôt qu'une petite pancarte 360. Hein? Vous aurez noté que c'est un chêne. 360 ans, ça nous donne quel... C'est une approximation, évidemment. Ça remonte à la Fondation de Montréal, presque 15 ans. Mmh. À 15 ans de... Est-ce que c'est impressionnant, Jean-Philippe? C'est très, très, très impressionnant. Tu vois pas ça tous les jours? Non. Et il se qualifierait, c'est peut-être pas vrai, comme étant le plus vieil arbre sur l'île de Montréal. 360 ans. Mais il me semble qu'on n'en fait pas assez. Bien, c'est ça, il y a une toute petite pancarte. Qu'est-ce que tu souhaiterais, Serge, qu'on fasse pour honorer la mémoire comme ça d'un si grand arbre qui a une symbolique vraiment très, très importante là, pour Montréal? Je veux dire, on parle d'un arbre qui était là... 15 ans après la fondation. Là. Moi, je pense qu'on devrait avoir une plaque de bronze, un grand panneau, quelque chose d'interprétation sérieuse qui dit que cet arbre a presque l'âge de la ville de Montréal, que c'est le patrimoine. En faire une grosse, grosse histoire et faire venir les gens. Là, on a deux bancs avec des canisses pour mettre des cigarettes. Oui, c'est vrai. Une petite pancarte en papier qui dit 360 ans, qui ne dit pas l'espèce de l'arbre, qui ne dit non. pas l'histoire de l'arbre non plus. On parle parfois d'entreprises qui ont conservé des mémoires de l'entreprise. Là, cet arbre-là, il a toute une mémoire de la ville de Montréal. Il en a vu passer des choses, là, cet arbre-là. Il a vu passer des Iroquois. Oui. Eh oui. Puis derrière, ici, plus loin, commence une forêt non aménagée, un parc non aménagé, qui est aussi le boisé de la réparation. Et qui, pour certains, en tout cas, serait une des dernières forêts originales de Montréal. Le couvert forestier original de Montréal. Toi, Serge, qui aimes tant te mettre dans la peau de l'animal, dans la peau du camion, dans ce cas-ci, si je te demandais... Oui. Non, je suis dans la peau de l'arbre, c'est si sûr. Si je te demandais de te mettre dans la peau de cet arbre-là, en fait, cet arbre-là, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Mais je sais pas, mais je donnerais...
10 millions de dollars, 100 millions de dollars pour être dans sa peau. Ouais. Pas vrai, là. Mais pas vrai, là. Pas une farce. Parce qu'il est tranquille, lui. Il n'a pas bougé. Ouais. Lui, là, il n'est pas allé dans le centre-ville de Montréal. Là. Il est là. Et c'est sa présence. Et il est présent depuis 360. Hey, c'est... Il y a les pierres qui font ça. Les crans rocheux font ça. Ouais. Mais là, c'est du vivant. Là. C'est du vivant. Il faut imaginer qu'il a été petit. Et là, ben, il a atteint... il végète et il fait ses années, sa majorité. Ouais. C'est quand même magnifique. Mm. Hein? Direction maintenant, une de tes maisons d'enfance à Pointe-aux-Trembles. J'ai le privilège d'aller visiter ça avec toi. Oui. Oui, parce que en fait, on fait... puisqu'on fait... Mais en 1964, il était là. Là, on fait Montréal, 1964, ma jeunesse. Mm-hmm. Cet arbre-là a été témoin de tous tes mauvais coups d'enfance. Il s'inscrit dans l'arbre. Donc, je si, veux pas si on vient de lui parler quand tu n'es pas là, avec un peu de chance, on pourra en apprendre beaucoup. Vous pourriez en apprendre beaucoup. Mais je pense qu'il ne parlera pas. Même sous la torture. Mais savez-vous ce que c'est que de mettre une chaîne ça là-dedans? Eh, ça... Puis pourtant... on veut pas voir ça. Dans bien des cas, je dois vous dire, dans bien des cas, ça se fait. Ouais. Quelqu'un pourrait décider que ça, sur un terrain privé, il aime pas les arbres, il trouve que ça fait trop d'ombre, ça fait trop de cochonneries dans la piscine, on coupe ça. 300... Puis tu fais venir quelqu'un pour arracher la souche en plus. Mais c'était juste un peu de cynisme. Autour de... On se permet, avant de partir, d'y toucher. Hé, hey, Caroline. Hey, ça ferait-tu une table en chaîne, ça? Elle, elle. Juste une couche, là. Plusieurs tables en chaîne, heureux, en fait, là-dedans. Je suis heureux de vous avoir impressionné avec un arbre de Pointe-aux-Trembles. Qui l'eût cru? Quel paradoxe. La dernière fois que tu es venu ici, tu dirais que ça remonte à quand? Ça doit faire à peu près 7-8 ans. Oui. J'étais venu montrer ça à Marie. Puis à Lou qui s'en sacrait comme l'an 40. Tout pareil. Lou étant ta fille, mais maintenant, est-ce que 7-8 ans plus tard, tu penses qu'elle regarderait cet arbre-là qui a 360 ans avec un œil différent, celui d'une jeune mammouth? Je pense qu'elle s'intéresse plus à Ariana Grande ou je sais pas qui, ah ouais? Là. Ça, non, ça l'intéresse pas. Ce matin, je l'ai laissé. Elle s'en allait faire son examen du ministère en histoire. Puis elle dit encore une couple d'heures, puis j'entendrai plus jamais parler de traite des fourrures, non. Ni d'Indiens. Elle dit ça à moi. Et comment le Serge Bouchard qu'on connaît réagit dans ce temps-là? J'aime le sourire en coin, oui, tu aimes ça? Ben oui. regarde, j'ai mes passions, j'ai mon monde, j'ai mon histoire. Elle aura ses choses à elle. Il y avait du maringouin, hein? Oui, on s'est fait bouffer un peu. Une belle petite marche de santé. Eh hey, oui, un walking simulator. Écoute. Ben oui. Ah oui, c'est fini. Ah. Ben, oui, oui, c'est terminé pour la première partie, parce qu'il y aura une deuxième partie. Ben oui, écoute, quel endroit merveilleux que je ne connaissais pas en tout. Au début de la vidéo, on voit un petit peu le lieu là, de la chapelle de la réparation. Mais la chapelle comme telle, on la voit pas. Tu peux-tu, j'ai mis dans le chat, si tu peux montrer aux auditeurs aussi, il y a une photo de la chapelle qu'on voit. Dans le fond, ce petit boisé-là, c'est derrière là, où est-ce que les frères dorment. Là. Je sais plus combien en a. Bon, c'est derrière. Dans le fond, regarde, c'est ça, la chapelle, on la voit. Supposément que c'est un truc architectural assez, ouais. Assez particulier, assez rare, là. Ben oui, c'était intéressant. Hey, ouais. Je veux savoir, tu as-tu touché à l'arbre? Oui. Tu as-tu touché à l'arbre de 300? Ben oui, j'ai touché. La seule chose, c'est que j'ai fait mon petit walking simulator avant d'écouter la totalité du podcast. Fait que j'aurais bien aimé ça faire une petite prise de vue avec ma main dessus. Mais oui, j'y ai touché. Puis je peux vous dire une chose, ça ne s'est pas tellement amélioré depuis la visite de Serge Bouchard en 2017, qui disait, bon écoute, ils ont enlevé les cendriers. Donc, les cendriers autour de cet arbre-là sont plus là, une chance, là, tu sais, me semble, c'est un non-sens, là. Et puis, ils n'ont pas mis de petites pancartes de bronze comme lui aurait souhaité. Ils ont tout simplement... ben, au moins, ils ont mis une petite pancarte blanche, on la voit, là, avec un descriptif, là, qui est... Oh, on a un...
Wow, un follower. Deepicon. Nice. Merci pour le follow, Deepicon. Bienvenue. Merci, Deepicon. Merci, merci. Et puis c'est ça. Donc, la petite pancarte comme telle, c'est un petit. De ce que je comprends, c'est au moins, il y a du détail. On sait que c'est un chêne rouge. On nous dit qu'en 2019, il y a eu une branche qui a cassé. On ne dit pas l'âge de l'arme, cependant. Mais si on en croit les propos de Serge Bouchard et de d'autres personnes, ce serait probablement un des arbres les plus vieux de l'île de Montréal. Et ce lieu-là, là, Alex, est-ce que tu es déjà allé te promener là? Oui, oui, je suis déjà allé. J'ai déjà même fait un sketch de la Scala Santa. Ah oui? Oui, la chapelle. Ah. J'ai déjà dessiné ça. Qu'est-ce qu'un. Ah oui, ok, t'as déjà dessiné ça, ok. Ouais. Mais le petit boisé, donc, t'as été te promener dans le petit boisé en arrière de ça? Oui, oui, oui. Pas longtemps, j'ai pas fait tout le chemin de croix, mais c'est quand même cool que ça soit le. C'est ça, dans le fond, c'est un chemin de croix. Mais les frères, ils acceptent que le public y aille. Pour l'instant, de ce que j'ai compris, les frères, là, par quelqu'un qui est près de cette communauté-là, les frères, à un moment donné, ils vont penser vendre hein, tous ces lieux-là parce qu'ils sont de moins en moins nombreux. Et à un moment donné, je pense qu'ils vont vendre et je souhaite tellement, mais tellement que ça aille pas dans les poches d'un promoteur immobilier là, qui va nous faire à croire qu'il va faire des condos qui vont respecter le patrimoine de ces lieux-là. Parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment joli. La petite forêt là, est toute ombragée. Écoute, c'est merveilleux. Moi-même pas croyant dans la religion catholique comme telle, même si j'ai été baptisé et tout, là, c'est transcendant comme lieu, là, c'est vraiment beau, là, tu te promènes là, puis écoute, c'est merveilleux, franchement, là, c'est à découvrir pour les gens qui sont jamais allés, puis juste en arrière de ça, on ira faire un autre urbex une autre fois, il y a le parc, là, de la Pointe au Pic, non, parc, comment ça s'appelle, Rivière des Prairies, Pointe aux Trembles, en tout cas, il y a un autre bois, là. C'est le parc nature. Ouais, c'est ça. Le parc nature, excusez. Donc, j'irai découvrir ça dans un urbex. Je suis déjà allé plusieurs fois, mais je vous ferai ça en bonne et due forme à un autre moment donné. Donc, c'est des lieux qui sont tous collés. Mais franchement, t'arrives là, il n'y a personne qui vient te voir pour te dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? » J'ai rencontré deux madames parce que l'arbre comme tel, c'est pas écrit qu'il y a 360 ans. Et donc, moi, j'avais juste accès au podcast de Jean-Philippe Plot, mais je ne peux pas savoir c'était quoi l'arbre. Fait que j'ai questionné des madames, des passantes qui étaient là. Et puis, eux autres, ils m'ont dit, « Ben, regarde, c'est l'arbre là-bas. » Mais bon, ils ont enlevé la pancarte de 360 ans. Peut-être que c'était pas une information non plus qui était valide. Je sais pas, mais effectivement, l'arbre a l'air très vieux. Et c'est très beau. Mais il n'y avait pas l'air en très grande shape, là, cet arbre-là. Il était pas mal cassé. Hein? C'est comme il expliquait là, sur la petite pancarte en 2019. Là, il y a eu une partie qui a cassé. Ceci dit, écoute, il est tout encore feuillu, je sais pas, là, moi, je suis pas spécialiste dans la chose pantoute, mais c'est un super bel arbre, vraiment, puis j'ai fini par le trouver, tu sais, c'est surtout ça, là, il y a quelqu'un qui m'a guidé là-dedans, il y avait juste deux passantes à ce moment-là, puis c'est particulier parce que toute cette belle nature-là, elle est dans l'est de Montréal, alors que les gens sont toujours portés, oui, parce qu'il y a des cafés, des restaurants, ils vont toujours se promener sur le Mont-Royal, mais dans l'est de Montréal, vous allez avoir une place pour parker votre char. Oui, c'est clair. Tu peux parker dans la rue. Il y a le parking de la chapelle. C'est immense. C'est immense. Tu peux aller te promener là-dedans là, pendant des heures et des heures. Puis c'est tellement beau. Des fois, on aperçoit des serres. Puis il n'y a pas grand monde. C'est ça qui est agréable aussi, là, d'être moins entouré de monde quand tu vas te promener dans la nature. C'est vraiment cool comme endroit. Oui, c'est ça. Puis c'est dur à croire que ça soit sur l'île de Montréal. Ça, c'est quelque chose que les gens ne doivent pas soupçonner hein, à l'extérieur de l'île. Que tu as un lieu paisible de nature avec tout ça, là, la chapelle, tout l'aménagement, l'arbre le plus vieux de l'île de Montréal. Parce que il y avait deux arbres, hein, les plus vieux. Là, le plus vieux, il y avait 370 ans, je pense, qui était dans l'ouest de l'île. Ouais. Ils l'ont coupé. Dans Villeray, oui. Oui, ils l'ont coupé. Ouais. Fait que c'est maintenant on est le plus vieux. Puis c'est ça, j'en parlais, dans le fond, ce qui t'a mis sur la piste d'aller voir cet arbre-là, c'est que j'en parlais au dernier podcast, c'est dans Paul à Montréal, de Michel Rabagliati, il a consacré une illustration à cet arbre-là, vous pouvez aller lire ça, Paul à Montréal, là, il en parle de cet arbre-là le plus vieux, puis je suis content, je l'avais même pas vu en vrai, mais je vais aller le voir moi aussi, là, C'est ça, puis je tiens à dire, ben oui, écoute, c'est Alex, on ira là à un moment donné. Puis je tiens à dire là, que
L'entrevue, c'est évidemment, c'est Jean-Philippe Plot, l'auteur de cette entrevue-là, qui a eu la chance de rencontrer Serge Bouchard et non moi. Moi, j'ai tout simplement fait une simulation là, de marche, là, et puis c'est moi qui ai fait les images pour essayer d'accompagner un peu ce qui se disait. Alexandre, Oui. Alex, il y a une petite photo aussi pour faire du pouce par rapport à ça. On a parlé d'arbres. J'ai une espèce de petite photo de ma maison. Je ne sais pas si tu peux, tu sais, comme à partir de ma maison, on voit là, tu dois te demander, mais pourquoi qu'il m'a envoyé ça? Je ne sais pas si tu peux le montrer à nos auditeurs. Donc, pour ceux qui écoutent juste en balado, c'est comme une photo de l'avant de ma maison. Ça, Et, ouais, vas-y donc. OK. Je ne sais pas si tu vois quelque chose de spécial, là, à part que mon gazon n'est pas coupé, là. Ouais. puis que mes headsets non plus. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial sur cette photo-là? Quelque chose qui attire Ben, ton attention? je sais pas, l'ombre de l'arbre ou le bac Non, de compost. non plus. Oh, mais entre les deux, on va dire entre les deux. La haie. Non, ok, il y a une petite ligne blanche sur Ah le trottoir. La petite ligne blanche sur le trottoir ouais. Ah devant ouais. ma maison. Et je suis arrivé un soir et c'était devant chez moi et je me suis demandé c'était quoi. C'est Et figure-toi donc, je vous ai parlé, là, je pense que c'est la semaine passée, c'était au dernier épisode, ou il y a deux épisodes, de mon voisin là, qui voulait absolument qu'on coupe mes arbres en arrière. Moi, ça m'a un peu démoli, je vais être franc avec toi, là, de devoir couper ces arbres-là derrière ma maison. Et donc, je suis arrivé un soir chez nous, puis j'avais une petite ligne blanche. Puis quand il y a des petites lignes blanches de même, là moi, en bon paranoïaque, là, je me mets à me questionner, ah, c'est quoi là? Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont-tu couper devant chez nous, là? Ben, j'ai reçu une lettre de la ville de Montréal Ah ouais. qui m'indique que ces petites lignes blanches-là, ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est une marque sur le trottoir ou la bordure qui indique l'emplacement prévu pour chaque arbre. Donc, on va planter un arbre en face de ma Oh, maison et yes. gratuitement avec les taxes de la ville de Montréal. Fait que je suis Chanceux. super. Écoute, je suis super content. Ça m'a remonté le moral, ça. De savoir que j'allais avoir un arbre. Bon, évidemment, ça impliquera des feuilles à ramasser supplémentaires, mais on s'en fout parce qu'à Pointe-aux-Trembles, les citoyens, ils ramassent pas le feuille, ils souffrent dans la rue. Ah, Écoute. Fait que. il y a ce mot fumé du Pacifique qui dit que je suis content de savoir maintenant où habite Ninja Coiffeur, je vais pouvoir aller le Ah! Écoute, ce mont fumé, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur la lettre, il n'y avait pas d'adresse. Puis même si tu vois un devant de maison, là, j'ai quand même fait attention. J'ai pensé à toi. Je me suis dit, ah, il y a peut-être du monde bizarre là, qui va venir voir où j'habite. Hein? Ben, je te comprends de vouloir me stalker, par contre. On est content que tu sois là, ce mon fumé du Ben oui, Pacifique, on est content. fidèle All right. au rendez-vous. T'es là où le bienvenu. C'est excellent. Ouais, c'est malade. Ah, Ouais. ben c'est cool ça, fait que c'est Ben écoute, c'est ça, c'est la photo que je voulais te montrer parce que, parfait. tu sais, c'est ça. Fait que si jamais tu as une petite ligne blanche devant chez vous, là, ben sache qu'ils vont mettre un arbre. Bon. Voilà. Voilà. Puis c'est pour faire du pouce aussi sur le fait que, tu sais, ça dure 360 ans des arbres. Puis tu sais, quand t'en vas mourir, moi, ça m'avait vraiment magané là, d'avoir dû en enlever dans ma cour à cause d'un voisin. Fait que ça m'a remonté le moral. Bref, Ben oui, c'est c'est ça. bien malade. Ouais, Hey, puis yes. c'est drôle parce que là, changement de sujet, tu parlais, toi, de la chapelle de la réparation. Puis moi, Oui. là, mon sujet d'aujourd'hui, là, il a Oui. directement rapport avec ça. Oh, OK. Fait que tu vas peut-être être plus précis que moi Non, ben non, ben dans... pas tant, pas OK. tant, mais OK. moi, ce que, vous savez, à chaque semaine, je vous parle des sociétés secrètes de Pointe-aux-Trembles. Puis Yes. cette semaine, moi, je vais vous parler de l'ordre de Jacques Cartier, qu'on appelle aussi la patente. Puis ça a un lien direct avec la chapelle de la réparation. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, puis c'est vraiment intéressant ce sujet-là. Parce que, tu sais, de toutes les sociétés secrètes que je vous ai parlé à Pointe-aux-Trembles, c'est celle-là qui a été la plus active et qui a eu le plus gros impact sur la région.
Fait que j'espère avoir piqué votre curiosité avec ça, parce que je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait au juste la patente. Mais, t'as piqué la mienne. Ouais, hein? Mais tu connais-tu ça, toi, l'ordre de Jacques Cartier? Pas du tout, encore moins la patente. Ben, c'était le nom qu'on donnait à cette organisation-là. L'organisation comme telle, là, de l'ordre de Jacques Cartier, c'est né à Ottawa, en Ontario, là, au début du 20e siècle, là, à peu près en 1912. C'était en lien avec la lutte contre le règlement 17, contre les écoles françaises. Fait que c'est comme, il y avait eu à cette époque-là un genre de conflit là, puis, par rapport aux écoles françaises. Puis, il y a trois fonctionnaires fédéraux, Herman Pelletier, Albert Ménard et Émile Lavoie, qui se sont rendus compte que, dans le fond, là, au Québec francophone, les francophones catholiques, il n'y avait aucune société pour les aider dans l'accomplissement ou la défense de leurs intérêts. T'sais, ils se sont rendus compte que les chevaliers de Colomb, ben, c'était beaucoup des Irlandais catholiques qui étaient là-dedans, puis donc anglophones. Puis il y avait aussi, les Irlandais pouvaient aussi compter sur le Ancient Order of Hibernians au Canada. Puis les anglo-protestants, eux autres, ben, il y avait les francs-maçons, puis l'Ordre de l'Orange aussi, qui défendaient leurs intérêts en tant que société secrète. T'sais, c'est comme des sociétés... L'ordre de l'Orange? Ouais, mais ça, l'Ordre de l'Orange, ça pas... Je connais pas ça, là, pour vrai. L'Ancient Order of Hibernian, je connais pas ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est des on a parlé des francs-maçons, puis ce que j'ai parlé, c'était beaucoup dans le milieu anglophone, là, dans ce que j'ai parlé dans les derniers épisodes. Celle-là, à part peut-être les frères chasseurs là, qui étaient patriotiques au bout, là, mais lors de. Donc, c'est ça. Ces trois personnes-là, ils se sont dit ben, on devrait avoir quelque chose qui défend nos intérêts, nous autres aussi. Alors. Les francophones. Oui, c'est ça, nous, les c'est francophones ça. Catholiques. Okay. Bien important de le mentionner, francophones catholiques. Ah, oh, c'est toujours. Ouais, okay. C'était dans l'air du temps. Fait que le 22 octobre là, 1926, Albert Ménard et le curé François-Xavier Barrette de la paroisse Saint-Charles d'Ottawa y ont convoqué la première rencontre de la société, pas de la société, là, mais de l'ordre de Jacques Cartier. C'est Émile Lavoie, un des fondateurs, qui était un ancien membre de trois autres sociétés secrètes, qui écrit les règlements et les rituels de cet ordre-là. Et... Bon, attends un peu, il doit y avoir une autre poignée de main spéciale dans celle-là aussi. Exactement, je vais t'en parler tantôt. Yes! Yes! J'ai hâte. Ah oui. C'est drôle, ils ont toute une poignée de main spéciale. Les rappeurs, ouais. Ils ont rien inventé, là. Ben non, sac. OK. Ouais. Fait que... l'ordre, dans le fond, ils ont enregistré leur lettre, comment on dit ça, leur lettre patente à Ottawa le 4 octobre 1927. Et donc, ils ont commencé à s'étaler un peu, puis ils sont au Québec. Mais ça, la lettre patente, c'est pour les brevets, habituellement? Ouais, mais c'est ça. Ils ont fait breveter ça. Ouais, donc leur ordre est brevet, ben, comme il était enregistré quelque part. Okay. Fait que je vais te lire c'était quoi selon leur lettre patente, là, c'était quoi leur but à eux autres, OK? C'était de faciliter chez les membres, par tous les moyens légitimes, l'accomplissement de leurs devoirs religieux comme catholiques, encourager et promouvoir les saines lectures, la parole publique et privée, l'exemple, les images, le symbole, l'instruction. Sous toutes ses formes, chez les Canadiens français, assurer au moyen de la fraternité le progrès et la stabilité financière des membres en particulier et de la race canadienne française en général, secourir par la charité chrétienne les pauvres, la veuve et l'orphelin, et respecter, suivant les principes de la religion catholique, l'autorité dûment constituée. C'est très clair, hein?
Moi, c'est ça ratisse large, OK. Ouais, exactement. C'est très pas clair, en fait. C'est ça, là. Mais je peux te résumer ça comme ça. Dans le fond, ouais. là, leur but, là, c'était de défendre les intérêts des minorités francophones du Canada par l'entreprise d'une élite militante qui devait infiltrer et noyauter l'administration publique et l'entreprise privée. Autrement dit, ils voulaient aller chercher des gens bien placés pour les rallier à leur cause et développer, influencer la société pour le bien-être des francophones. Une histoire de pouvoir, de contre-pouvoir, en fait, parce que exactement. C'était les Anglos qui avaient le pouvoir pas mal. OK. Ouais. Okay. Fait que, ben, comme dans toutes les autres sociétés secrètes, là, c'était, l'organisation de l'ordre était faite en deux niveaux. Fait qu'il y avait le Conseil suprême, qui était qui s'appelait aussi la chancellerie, puis qui était désignée avec les lettres CX. Puis ça, c'était l'autorité, le Conseil suprême. C'est eux autres qui décidaient des grandes lignes de qu'est-ce qui se passait. Puis il y avait des instances locales qui s'appelaient des commanderies, qui étaient désignées par les symboles XC. Puis eux autres, ils exécutaient les mots d'ordre de la chancellerie. Il y avait des, comme on l'a déjà vu, ben, il y avait des degrés et des fonctions. Fait que ça, c'est dans toutes les sociétés secrètes à date qu'on a vu. Il y avait les degrés. Fait que le premier, c'est porte-étendard, c'est le degré de base. Dans toutes les sectes aussi, hein? Ben, c'est ça, je lisais ça, puis je me disais, ouais, c'est pas mal sectaire quand même. Mais tu sais, c'est ça. Fait que... C'est ça. Fait que le premier niveau, c'était des porte-étendards. Ensuite de ça, tu devenais chevalier. Puis commandeur, et il y a le dernier degré qui s'appelait, tiens-toi bien, le quatrième degré. Oh! Ça sonne quatrième dimension. Ouais! OK, quatrième degré, OK. Puis ça, c'était au niveau des degrés, puis au niveau des fonctions, mais chaque personne avait un rôle à jouer à l'intérieur de sa commanderie, finalement. Puis, bon, il y avait des... Ils nommaient leurs fonctions ainsi. Il y avait le chapelain, le grand commandeur, le premier grand chevalier, le cérémoniaire, le deuxième grand chevalier, le trésorier, le secrétaire. Il y avait des surveillants. Il y en avait deux dans chaque commanderie, deux intendants. Et il y avait un couvreur intérieur et un couvreur extérieur. Ça, c'est les gens qui un peu masquent les traces de l'organisation en tant que telle. Ou les responsables des poignées de main, probablement. Peut-être. OK, je suis fatigué avec mes poignées de main, j'arrête. Mais OK, fait comme ça, il y avait autant de titres dans cette confrérie-là, là, hein, c'est ça? Oui, comme dans toutes les organisations, les chevaliers de colon, il y avait un peu ça. Ouais. C'est ça. La particularité, ben, tu sais, on a parlé souvent de la place des femmes dans les chevaliers de colon. Il y avait les filles d'Isabelle, les francs-maçons ont commencé à accepter des femmes. Mais dans la patente, là, il n'y en avait pas de femmes. C'est dans l'ordre de Jacques Cartier, là, il n'y en avait pas du tout de femmes. Puis d'ailleurs, je vais te le citer un bout assez misogyne. Là. Oh, ça va faire mal. S'il y a des femmes là, qui nous écoutent, là, bouchez vos oreilles. Ouvrez-les. Non, mais dites-vous on est passé à autre chose. Hein? Dites-vous c'était en 1942. Puis un des fondateurs. C'est de l'histoire. Un des fondateurs, Émile Lavoie, bon, il a dit ceci. Sans rien divulguer de nos activités à nos épouses, il est relativement facile de leur faire comprendre que si nous devons d'abord à nos familles, la charité chrétienne nous fait aussi un devoir de nous occuper du bien général de la race. Qu'une absence de 2 ou 3 soirs par mois donnée à une sainte cause honnête et juste est un acte louable en soi. Leur faire comprendre que des récriminations en ces occasions manquent d'idéal et sont plus ou moins égoïstes. Ce travail d'éducation doit se faire de longue haleine, tranquillement et pieusement. Le ponctuant de nombreux et fervents baisers, si cela est nécessaire, car il n'y a rien comme ce simple remède pour brouiller les idées d'une femme et obtenir d'elle un consentement qui ne serait pas obtenu au préalable. Ah, il achète avec des bisous, là, tu sais. Ah, là, tu sais, c'est comme il a dit, les femmes, là, il faut qu'ils comprennent que ton mari, il s'en va avec sa gang de chums, là, dans l'église. C'est ça. Il va sous la gueule, là. Non, je sais pas si... Ouais, mais c'est noble de le faire, toujours.
Penses-tu qu'elle est sous la gueule? C'est sûr, là. Écoute, je sais pas. Il va y avoir une petite bière quelque part, là, dans notre toujours une petite bière. Connaissant, là, le Québec et tout ça, là, je serais surpris qu'il n'y ait pas de petite bière là-dedans. Non, non, mais c'est le bout que tu les achètes avec des bisous. Ouais. Ça a tellement pas l'air passionné, en plus, comment c'est décrit, là, c'est comme... Faites-y un petit bisou, faites-le comprendre, ouais, là, qu'il faut qu'il te sacque la peine, là, 2-3 fois par mois. C'est important, ouais, ce que tu fais. Fait que va t'occuper de ta paroisse, tu sais. Non, au moins, ils disent pas où. OK, c'est bon. Ouais. Ce qui est intéressant au niveau du recrutement, c'est que les gens étaient recrutés sans le savoir. Dans le fond, tu pouvais pas faire de demande pour y être admis, puis c'est l'organisation qui choisissait ses membres. Fait que, comment ils fonctionnaient, c'est qu'ils allaient voir c'était qui les gens qui étaient les personnes d'influence dans différentes organisations, puis qui avaient un certain pouvoir de décision. Puis ensuite, ils ramenaient ça en conseil, puis ils décidaient si, par vote, si ces personnes-là pouvaient être admises ou pas. Puis advenant qu'il y ait un vote majoritaire, ben là, il y a quelqu'un qui devenait le parrain de cette personne-là, qui allait la rencontrer, puis qui l'intégrait, dans le fond, à l'ordre. Dans le fond, on l'invitait à une première rencontre d'initiation. Dans le fond, je peux te parler un peu de l'initiation, comment ça se passait, là. C'est, Ah oui? Ben, t'as des détails sur l'initiation, OK. J'ai des détails sur l'initiation. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passait, ce genre de truc-là. Oui. À Montréal, ça avait lieu à l'école Meilleure, sur la rue Follum. OK. Donc, à son arrivée avec son parrain, le candidat était invité à compléter une fiche de style CV, un curriculum vitae, et faire un chèque de 10$ à l'ordre de l'Association culturelle canadienne. Qui était l'équivalent de 3 000$ aujourd'hui, là, peut-être. Je sais pas, en 1950. Ouais, ça devait être pas donné. Quand même 10$, là, ouais, c'est pas donné, je pense. Ben non, parce que, hey, j'ai vu l'autre fois sur Internet une facture de bière, là, qui... Genre, okay, 2 caisses de 24 puis 3 caisses de 12, ça coûtait 15$. Hey, hein? Ouais. En quelle année, ça, te souviens-tu? Ça, c'est des années 70. Aïe, 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 aïe. Fait que t'imagines en 1926. Ouais, mais là, je sais pas si le rituel a changé en cours de route, là. Mm-hmm. Donc... Après un long temps d'attente, les yeux bandés par un loup, commençait ensuite l'initiation proprement dite, faite de 6 épreuves. Il y avait l'équilibre, qui symbolisait l'entraide fraternelle, l'air, le feu, l'eau, donc les 3 signes de purification. Il y avait l'épreuve de la ciguë, qui symbolisait la discipline, et la quête, qui symbolisait le dévouement. Ces épreuves constituaient en autant de situations éprouvantes. Donc, on saute le saut d'un madrier instable, marcher sur un madrier à obstacles avec le vent de face produit par un ventilateur, main tendue au-dessus d'un brûleur à alcool enflammé, main plongée dans un bassin d'eau parcouru par un faible courant électrique. Il y avait l'épreuve de la coupe d'amertume où le candidat devait avaler un petit verre de liquide amer. Donc, à cette étape, les bandeaux étaient retirés et on simulait une quête humiliante. Quand j'ai lu ça, la quête humiliante, j'ai tout de suite pensé à, dans les Simpsons, là, les tailleurs de pierre, là, quand il faut qu'ils tirent un rocher de la honte tout nu. Là. Je me suis dit... Non, je me souviens pas de ce bout-là. Non, je me souviens pas de cet épisode-là. OK. Ben, les candidats ayant préalablement été obligés de laisser leur porte-monnaie au vestiaire. Fait que je sais pas si porte-monnaie dans le texte, ça veut dire autre chose que porte-monnaie, là, mais bon. Donc, puis il y avait aussi le VAPDA, ou le voyage au pays des ancêtres. C'était le nom de l'initiation. Donc, d'après moi, là, le voyage aussi au pays des ancêtres... C'est du LSD. Ben, peut-être que c'était quand même une grosse beuverie là, pour finir ça, là. Je sais pas. Ouais, moi, je m'imagine des affaires, là. Ben... Ah, c'est certain. Écoute, il y avait de l'exploration. Il y avait du psychédélique là-dedans, c'est certain. Ah, peut-être qu'il y en a eu, en tout cas. OK, ouais. Maintenant, tu voulais connaître le signe secret. Ben, hey!
l'ordre là, de Jacques Cartier, c'est eux autres qui avaient le signe secret le plus simple. Fait que, dans le fond, là, comment tu donnes la poignée de main quand tu es dans l'ordre, c'est tu donnes la poignée de main normalement, sauf que tu allonges ton index, OK, vers le poignet de la personne. Fait que tu sers la main, tu allonges ton index vers le poignet, puis tu fais une légère pression sur le poignet de la personne. Donc, c'est ça. Oh, okay. C'est ça, la poignée de main. Ah, c'est pas payé. Ben, c'est moins compliqué que toutes les simagrées des autres, là. OK, OK. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on rentrait dans la salle de réunion, il fallait faire la poignée de main aux personnes. Moi, je choisirais celle-là. Ouais. Okay. Puis, il y avait aussi le mot de passe qui était très simple aussi. C'était de dire le mot quartier, mais en disséquant les syllabes. Donc, tu disais quartier et orange. Puis voilà, ça c'était au niveau des symboles puis des poignées de main secrètes. Wow. Mais là, à Pointe-aux-Trembles maintenant. Ouais, quand est-ce qu'ils sont arrivés? On y est. Ils sont arrivés à Pointe-aux-Trembles, la commanderie de Pointe-aux-Trembles, le 16 septembre 1935. Et la commanderie portait le nom de Père Robert. Le Père Robert, lui, c'était un des deux aumôniers originaux de l'ordre de Jacques Cartier, donc qui était à Ottawa. Et puis, il est devenu gardien du monastère de la Chapelle de la Réparation et il est décédé le 31 mai 1935. Donc, fait que c'est ça, c'est très très lié. Il était pas loin de mon arbre, lui. Il a peut-être touché à ton arbre. Il a peut-être initié proche de l'arbre. Ouais, peut-être. Parce que d'ailleurs, la chapelle de la réparation, c'était tenue par des pères capucins. Et eux autres, là, ils étaient très impliqués au sein de l'ordre à Pointe-aux-Trembles. D'ailleurs, c'était la chapelle, le boisé de la réparation que tu as visité, c'était le lieu de pèlerinage de la commanderie comme telle. Fait que les gens allaient faire le signe de croix sur ces chemins-là que tu as emprunté. Et fait que j'ai déjà certains acquis, là, comme si je voudrais être... Aïe, aïe. Ouais, wow. C'est hot, hein? Puis, en plus de ça, à l'intérieur du monastère, les pères prêtaient des locaux à l'ordre pour tenir des réunions, différentes activités. Dans le fond, là, les grands commandeurs, on les appelait les hiboux pointeliers. OK. Fait que c'était leur surnom. Puis bon, il y en a plusieurs qui ont été grands commandeurs là, à Pointe-aux-Trembles. Je vais les nommer, mais un que je voudrais m'attarder. Bon, il y avait Gaston Sivigny, ouais, qui avait été gérant de la manufacture Sorrento, Roméo McDuff, comptable, Bernard Benoît, qui était un marchand. Il y avait Silvio Charon, Viateur Goulet, qui était directeur d'école, Jean Raymond, photographe et imprimeur à Imperial Oil. Il y avait Roméo Soucy, directeur de l'Institut Lavoisier. Et il y avait Roger Séguin. Et je me suis demandé si Roger Séguin, il n'y avait pas un lien de parenté avec Richard Séguin. Hey! Qu'est-ce que tu as fait avec cette info-là? Rien. J'ai invité Richard Séguin là, à venir à Radio Pointeau, mais là, c'était le fun, hein? Il vient juste de pas me répondre, là, justement. Mais okay. Si jamais, je vais le relancer à un moment donné. Là. Je vais le relancer. Ben écoute, on veut pas harceler non plus, mais c'est certain que on est toujours. Merci Alex d'avoir osé l'inviter. Oui. Ah ouais, ben ça fait plaisir. Oui. Là maintenant, dans les réalisations là, comme telles de l'ordre de Jacques Cartier à Pointe-aux-Trembles, ben c'est super intéressant. La patente, parce qu'il s'infiltrait dans différents secteurs. Hein. Les secteurs de prédilection, c'était l'économie, puis ben, l'éducation, à peu près tout, dans le fond. Là. Donc, c'est à cause d'eux autres qu'il y a eu la Caisse populaire de Pointe-aux-Trembles. C'est eux autres qui l'ont fondée. Uh-huh. Ouais. Ensuite de ça, ils ont été très proches, ils ont été dans le noyau de la Caisse d'économie des employés de la raffinerie Esso. Ils ont aussi fondé la Chambre de commerce de Pointe-aux-Trembles. Et ça aussi, c'est un autre bout intéressant. Ils ont fait une campagne de promotion à l'époque qui s'appelait « L'achat chez nous ». Puis
dans le fond, c'est qu'on encourageait les gens à acheter local, à ne pas être aux trembles. Puis pour ce faire, les marchands mettaient un autocollant dans leur vitrine pour faire partie du mouvement. Et sais-tu qu'est-ce qu'il y avait sur l'autocollant? Le moulin? Oui, le moulin! J'ai gassé! Wow! Parce qu'on dit que le moulin, c'est le signe de ralliement des pointeliers. Hein? C'est malade, hein? Aïe, 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 aïe. Puis tu vois, là, hein, tant d'années plus tard, nous autres, on revient avec ça. On reprend le moulin, puis... On est peut-être dans la patente. Ouais, puis c'est ça, je me suis dit, des conspirationnistes pourraient dire qu'on est des envoyés de la patente, là. Camouflés, mais en tout cas, j'ai... Ouais. Ben, écoute, puis, c'est vraiment intéressant. Puis un dernier point où l'ordre de Jean Cartier avait de l'influence, c'est aussi à la commission scolaire de Pointe-aux-Trembles. Ça a été longtemps sous l'influence de la patente. Parce qu'il y a eu plusieurs directeurs là, qui étaient des membres haut placés là, de l'organisation comme telle. Qui est devenu la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île longtemps. Ouais. De ce que j'ai compris, c'est une commission scolaire qui était gérée beaucoup, en tout cas pour avoir déjà travaillé un peu. Es-tu perdu? Allô? Un peu dans ces milieux-là, t'es à part, là, t'es pas dans la commission scolaire de Montréal. La commission scolaire pour Montréal, là maintenant, oui, là, je pense là, c'est tout rassemblé là, avec notre nouveau gouvernement, là, mais la patente. Ben oui. Je sais pas pourquoi, il n'y a pas un show artistique, la patente, ou une tourne qui s'appelle la patente. Il y a la patente de Daniel Boucher. Ah, c'est ça, la patente! Hey, il vient-tu de Pointe-aux-Trembles? Je ne penserais pas. Ah, il faudrait s'informer. Il doit pas, lui. Il doit venir de... Non, je le vois pas. Ben, peut-être. Non, lui, il vient pas de Joliette. On va s'informer. Parce que peut-être que c'en est un, ça. C'était peut-être un membre, puis on ne sait pas, là, Daniel Boucher. Peut-être qu'on n'a pas entendu ses chansons, à Daniel Boucher. L'heure de Jean Cartier, maintenant, n'existe plus. Oui. Elle a été dissoute le 27 février 1965. Ah, c'est ce que tu penses? C'est ça. Non, c'est une joke. Ben oui, c'est ça. Mais les conspirationnistes pourraient bien dire « Ah, c'était un front, là. Ils ont fait semblant d'être dissous, mais ils sont toujours au sein de l'influence pointelière depuis 1965, cachés, personne n'est au courant. Oui. Fait que si tu te fais aborder, Ninja, quelque part, sur ton chemin de la chapelle de la réparation avec ton t-shirt Radio Pointeau, c'est possiblement un émissaire de la patente qui veut ton... Tu peux être sûr que quand je vais y serrer à la main, je vais pousser sur son poignet avec mon index. C'est sûr que je vais faire ça. Tu l'auras entendu à Radio Pointeau. Vous l'aurez entendu un petit peu plus tôt. Puis, on était dans le conspirationnisme, là, un petit peu à la fin, on faisait des blagues avec ça. J'ai lu un article aujourd'hui qui parlait de la divulgation, et je n'arrive pas à le retrouver malheureusement, qui parlait de la divulgation des informations sur... je pense que c'était sur le site de Radio-Canada, sur la divulgation là, des récentes images qu'il y a eu par rapport aux ovnis. Est-ce que tu avais terminé, Alexandre? Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Tu m'as bien... Ben, merci beaucoup pour ce segment-là. Ouais, et puis dans cet article-là, ce qu'il disait sur le site de Radio-Canada, que finalement, là, les objets non identifiés, là, que les Américains là, venaient de divulguer qu'ils allaient en divulguer davantage et que les adeptes de la théorie des extraterrestres, des images qu'on a vues récemment, le jet, là, je sais pas si tu as vu, Alex, là, du vaisseau spatial qui se fait suivre par un F-18. Là. Les adeptes de cette théorie-là, là, comme quoi que c'était des ovnis, allaient être déçus. Là. Ils allaient divulguer des choses qui allaient un peu défaire ces théories-là, que c'est des objets extraterrestres. Donc, j'ai bien hâte de voir, c'est dans les jours qui suivent. Là. Donc, je vous reviendrai peut-être avec ça la prochaine fois, à savoir finalement qu'est-ce qui s'est dit. Mais, actuellement, j'aurais, côté insolite, j'aurais un petit témoignage à vous faire part qui s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça, imaginez-vous donc. Le 27 mai 2021 à 8h40. De quelle date? Le 27 mai? Hier?
Hier, à 8h40, donc à presque pareille heure, donc il y a un petit peu plus que 24 heures, il y a un gars qui a écrit, en fait, le témoignage, l'observation, excusez-moi, l'observation a eu lieu le 26, la date du rapport date d'hier. Donc, il y a 2 jours, il n'a pas attendu très très longtemps avant d'écrire son témoignage. Évidemment, c'est un témoignage anonyme. Moi, j'ai pris le temps d'écrire à cette personne-là un témoignage d'OVNI qui a été écrit. Donc, je vais vous lire Mais ça. si tu as pris Oui. d'autres hommes? Ben, tu vas Ok, voir, tu vas voir. OK, vas-y, vas-y, OK, vas-y, vas-y. OK. Donc, je suis désolé si jamais il y a des petites fautes là. Des fois, le texte là, il s'est trompé un peu dans sa formulation, mais je vais essayer de rectifier au fur et à mesure que vous compreniez bien. Donc, l'apparition fut brève, environ une vingtaine de secondes. J'étais sur la terrasse, sur notre toit, environ au quatrième étage. La vue est entièrement dégagée. Une colonne lumineuse blanche en oblique à la diagonale se déplace devant moi à quelques kilomètres et assez élevée dans le ciel. Il semble que cette ligne lumineuse à la verticale, mais en diagonale, ça lui spécifie 2 fois, est composée de plusieurs lumières. Ce n'est pas une seule ligne lumineuse continue, mais la séparation entre les lumières, moins d'une dizaine, est à peine discernable. Ouf. Ce qui rend difficile de les compter et donne l'impression d'un seul objet. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que les points lumineux étaient tellement collés que ça avait l'air d'un seul objet. À aucun moment, il n'y a eu de discontinuité dans le déplacement de l'ensemble. Les lumières ne sont pas éblouissantes, mais très clairement dessinées dans le ciel. La ligne ou colonne lumineuse se déplace du milieu du ciel devant moi et traverse le ciel montréalais vers le sud, assez rapidement et en s'éloignant aussi vers l'est. Et donc, là, c'est là que je me suis dit, mais peut-être que c'est venu vers Pointe-aux-Trembles, sud-est. Je ne sais pas, il dit que ça s'en vient dans l'est. Donc, nous, on est quand même au sud et on est dans l'est. Donc, si jamais il y a des gens de Pointe-aux-Trembles qui ont été témoins de ce phénomène-là, il faut nous en faire part à Radio Pointeau Podcast, s'il vous plaît. J'ai écrit à cette personne-là. Ensuite, il continue son texte en disant, bien vite, à la vue d'œil, sa visibilité s'estompe rapidement à cause d'une distance croissante vers l'est. Donc, c'est parti vers l'est. Elle devient indiscernable en quelques secondes. À aucun moment, le positionnement à la diagonale n'a changé. Ça m'a paru juste inexplicable. Trop gros et trop près pour un satellite. Trop rapide et tellement long que je ne peux imaginer aucun drone ou avion d'une telle longueur. Donc, fin du témoignage. Moi, ça m'a. Écoute, dans le fond, lui, j'y ai demandé où exactement. Bon, il donne la température. Il faisait 22 degrés Celsius. Vitesse approximative. Il a écrit rapide, beaucoup plus que les avions ou hélicoptères traversant le ciel. Donc, ça s'en est vers l'est de Montréal. Lui, son témoignage, il l'a répertorié à Montréal. Donc, il n'a pas donné le quartier. Comme tel, là, où, quand j'y ai écrit, je lui ai demandé s'il pouvait nous renseigner à ce sujet. Donc, si jamais il y a des gens qui ont été témoins de ça, malheureusement, il n'y a pas mis de photos, ça aurait été l'idéal, hein. C'est toujours, si jamais vous voyez des trucs de même étrange dans le ciel, de grâce, prenez ça en photo. Mais un témoignage qui a donc eu lieu hier. Ah, intéressant. J'espère qu'il va te répondre. J'aimerais bien ça. Donc, colonne lumineuse diagonale. Ça a été le témoignage là, le plus près de Pointe-aux-Trembles, évidemment, là, que j'ai pu répertorier. Hein? Ben oui, c'est très cool à suivre. Oui, Donc, peut-être que si jamais certain. vous entendez parler de quelqu'un qui aurait vu quelque chose, ben n'hésitez pas à nous contacter. J'ai mis nos informations par Facebook. Vous pouvez Oui. nous écrire sur la page de Radio Pointeau sans problème. Ouais. Et si. Histoire de fantômes aussi, des trucs comme ça. Moi, je suis prêt à me déplacer, aller vers des lieux supposément hantés. Si jamais il y en a, ça me ferait plaisir de faire un petit urbex puis de mettre ça à Radio Pointeau. Évidemment, on essaie de rester dans notre secteur, mais Ben voilà. oui, le plus dans l'est de Ouais. Montréal possible. C'est ça, c'est ça. Très intéressant. Tu voulais nous parler Oui, aussi merci. d'un autre truc, mon cher Ninja. Ouais, ben un peu en terminant, je voulais un petit peu dans mon.
Ben oui, parce que faut pas oublier qu'on est sur Oui. Twitch, hein, puis qu'on diffuse à partir de Il y là. a du gaming. Il y a du gaming sur Twitch. Hein, c'est les jeux vidéo après ma barre. Ceci dit, les 2 derniers jours, j'ai streamé sur Twitch et je pense qu'il y a eu un ou deux personnes. C'est assez rare. Bref, il y a tellement de gens qui streament le jeu vidéo que. Ça m'a amené, ça, il y a plus de streamers que de joueurs, là. Mais j'ai streamé, je voulais vous parler d'un jeu que je joue. Je vous en ai peut-être déjà parlé, le jeu Demon's Souls, que je stream régulièrement depuis quelques mois. Depuis que j'ai ma PlayStation 5, je joue au jeu Demon's Souls. Et Demon's Souls, c'est aussi un jeu que j'ai fait sur la PlayStation 3. Donc, c'est la deuxième fois que je termine ce jeu-là, qui est un jeu de la compagnie From Software, que les gamers connaissent à peu près tous. La première itération est sortie en 2009. Ouais, le 5 février 2009. Et puis, il y a eu, donc, au PlayStation 3, j'avais acheté la première version, je l'ai fini. Et maintenant, on est à 12 ans plus tard, je le fais à nouveau. J'aimerais ça qu'on voit la bande-annonce de ce jeu-là. C'est un jeu, là, tellement, mais tellement mémorable. Pour les gens qui n'ont pas peur des jeux difficiles, c'est pas si difficile que ça, mais c'est tellement beau, puis glauque comme ambiance. On s'entend qu'on est dans l'anti-religieux ici, là, mais beaucoup plus dans les trucs démoniaques, là, les monstres, les dragons, les squelettes. C'est super sombre comme environnement. Je ne sais pas si tu peux nous mettre Oui, l'image. mais avant, j'aimerais ça que tu essaies de me dire difficile comme François Legault. Tu sais, comme il dit là. Difficile, ok, c'est bon. Difficile. Dis-le, c'est un jeu difficile. C'est un jeu vraiment, vraiment, là, il faut pas avoir peur parce que c'est difficile. C'est bon. Fait que je te parle ça, voilà la bande-annonce de Yes, Demon's on Soul. regarde sur PlayStation 5. On la voit pas, Alex. Ouais, on la voit. Ah, excuse-moi. Plein écran, plein écran. Ben, c'est beau, hein? C'est cœur. On entend pas bien ça. Oh, merci. Merci, merci, c'est parfait. Ah ouais, c'est bien fait, hein? Tabarouette, c'est malade. C'est même pas de la cinématique, là. Le jeu est fait comme ça, là. Moi, c'est le plus beau jeu que j'ai joué à vie à date. Regardez les matériaux du jeu, là, le métal. Et puis, La musique, c'est une musique de chorale souvent, là, puis t'as coupé le souffle vraiment, là, c'est vraiment un univers qui m'a passionné pendant des heures et des heures. Puis là, quand tu tues des Très bon jeu. monstres là-dedans, comme lui, là, c'est quoi, tu ramasses Oui. son âme? Oui, c'est un peu ça, tu ramasses pour ça que le jeu s'appelle Demon's Souls, c'est que tu recueilles l'âme des démons. C'est l'équivalent de l'argent dans plusieurs autres jeux. C'est que les armes te permettent d'obtenir des nouveaux niveaux. Je le dis pour les gens qui connaissent pas les Souls Games, parce que c'est vraiment typique, là. Tous les jeux que eux font, là, c'est comme ça, là. Quand on bat des monstres, on cumule comme ça des armes. Puis avec ces armes-là, on peut faire monter notre personnage de niveau, on peut acheter des nouvelles armes, on peut modifier ses armes pour les rendre plus puissantes, on peut se servir de. Donc, c'est ça, les armes servent à ça. Et ce qui fait que c'est dur, la particularité qui fait que c'est dur, c'est que quand on meurt, on laisse par terre
son argent, donc ses souls, ses armes. Pardon. Et on a une chance pour aller les récupérer. C'est-à-dire, si on meurt une fois, on avait, mettons, 20 000 armes avec nous, on les laisse par terre. Il faut retuer tous les monstres. Mais si on meurt une nouvelle fois avant de se rendre où on était mort la première fois, eh bien, on perd ces armes-là. Et donc, c'est un jeu qui est très, très frustrant à un moment donné parce que c'est ça. Souvent, on meurt très, très, très souvent et il faut recommencer sans arrêt. C'est un peu ce qui bloque beaucoup de gens à jouer à ce jeu-là. Malheureusement, c'est un peu le défaut de sa qualité parce que moi, j'apprécie beaucoup les jeux qui sont difficiles, justement, qui demandent beaucoup de persévérance. Mais c'est un jeu que je ne pensais jamais refaire dans ma vie tellement j'avais mis énormément d'heures. On voit que le bonhomme vient de monter. J'avais tellement mis d'heures les. Je vais regarder la finale. Ouais, je veux dire un gros merci oui. À Yali Shandap pour le follow. Merci Yali. Et donc, malgré les heures. Malgré les heures que j'avais mis dans le jeu, ah, c'est dommage, on voit pas la fin du trailer à cause du chat, mais c'est pas grave. Les gens peuvent aller voir ça sur Internet. C'est tellement un jeu qui ont refait, ils ont tout refait les graphiques. Au niveau du gameplay, il y a quelques éléments qui ont changé, mais il est très, très fidèle à la première version. Et ce pourquoi je vous en parle cette semaine, c'est parce qu'il est en spécial en ce moment. Les nouveaux jeux de PlayStation 5, malheureusement, on le sait, ils sont rendus 89,99 sans les taxes, ce qui remonte à plus de 100$ pour un nouveau jeu qui vient de sortir sur PlayStation. C'est assez dispendieux. Donc, pour les gens qui ont la chance d'en avoir une, PlayStation 5, puis ceux qui, un jour, vont en avoir une, parce qu'en ce moment, il y a une Martin Papa, Sega Master, c'est injouable. Ça ne fonctionnera pas, malheureusement, sur cette petite vieille console-là. Ouais, Martin Papapau, qui est un fan de Sega Master. Ça existe encore, ça, donc... Sega Master? Oh oui, ça, c'est toujours là, mais ils font plus de jeux, évidemment. La première console de la compagnie Sega, là, c'est le Sega Master. Et je rappelle que Martin Papapau, c'est mon frère. C'était la première console de jeu qu'on avait eue ensemble. Et lui, tranche de vie, avait eu la mononucléose, donc il avait associé les jeux vidéo avec sa maladie, puis il n'est pas devenu gamer alors que son frère Ninja Coiffeur est devenu un gamer vraiment réputé. Invétéré. Ouais. Pas réputé, j'ai pas la prétention d'être bon au jeu. Mais là, attends une minute, toi, t'as fait... Quoi ça? Ben, t'as fini Demon's oui, Souls! Et là, c'est ça que je voulais dire. Je pensais jamais refaire Demon's Souls et. Parce que là, on parle d'un jeu là, de au moins une quarantaine d'heures, mais tu sais, minimum. Là. Je pense que la première fois, j'avais fait 90 heures. Cette fois-là, je pense que j'ai mis 50 heures. En terminant le jeu, ils m'ont envoyé. Montre-nous ça à l'écran. Ils m'ont envoyé un email. PlayStation m'a envoyé un email. Et là, moi, j'étais faberglasté par ça. Ce courriel-là, c'est la première fois que je reçois. Tu vas-tu nous le montrer? Ah oh oui, je l'ai montré, là, c'était à l'écran. Ah, OK, excuse-moi. Donc, c'est la première fois que je reçois un email. Fait que là, prends des notes sur mon fumier du Pacifique. T'as déjà mon lieu de résidence. Maintenant, tu peux chercher là, peut-être qu'il y a des détails pour avoir mon courriel. Mais non, je fais des farces. Mais ce jeu-là, ils m'ont envoyé un courriel pour me féliciter d'avoir terminé, d'avoir été tenace. Je l'ai dit à ton podcast, là, Alex, il y a deux jours, à une autre émission que tu faisais, mais vraiment, c'est la première fois de ma vie qu'une compagnie m'envoie un email pour me féliciter d'avoir terminé leur jeu. Et ça m'a touché à quelque part parce que c'est vraiment un jeu qui est tough à faire. Puis, pour vrai, ça m'a de me donner une récompense alors que j'ai travaillé fort. Mais c'est vraiment du plaisir, ce jeu-là. Là, on s'entend là, que c'est très, très difficile, mais quand on réussit là, puis qu'on a accès à la suite du jeu, c'est tellement beau qu'on est toujours récompensé. Mais là, en plus d'avoir terminé ce jeu-là, on m'envoie un courriel pour me féliciter. Écoute, ça, là, c'est du marketing qui vient me chercher droite dans mon cœur de pointelier. Ah oui, puis ça dit « Fine work, Ninja Coiffeur. In the face of a near insurmountable challenge, you held fast, demonstrating skill, courage, and indomitable will. Thanks to your effort alone, Boletaria has entered into a new era, but your adventure isn't over yet.
There are more feats yet to accomplish to become a master of demon soul, a title few may lay claim to. Steel yourself and good luck on your path to platinum. Ah, et voilà. Et donc, c'est ça, c'est un jeu pour les completionnistes, là. Je ne sais pas comment on, ouais. on peut dire en français, là, pour les gens qui complètent les jeux là, à 100%. C'est un jeu que tu peux passer des 150 heures faciles. Là, tu sais, il y a tellement plein de... Moi, bon, je l'ai fini pour la deuxième fois. Fait que... mais écoute, j'ai trouvé ça incroyable. Puis j'avais envie de faire part aux auditeurs là, de Radio Pointo. Qu'on m'envoie un courriel pour me féliciter d'avoir fini un jeu, ça n'est jamais arrivé à vivre sur ça. Même si c'est un ordinateur qui me l'envoie, c'est le serveur de la compagnie. Je trouve vraiment que c'est une belle attention, puis écoute, c'est sûr que je vais acheter leur prochain titre. Ils ont fait des titres comme Sekiro, From Software, le jeu Sekiro qui se passe dans un environnement féodal japonais. C'est super bon et évidemment super difficile. Celui-là, je ne l'ai pas fini encore. Ils ont fait les jeux, les Dark Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. J'en oublie peut-être, mais donc c'est une super bonne compagnie japonaise là, qui font des jeux, là, vraiment. Je le suggère à tout le monde. Et en ce moment... Sur le PlayStation Network, pour ceux qui sont chanceux et qui ont une PlayStation 5, le jeu est en spécial, donc, c'est ce que je disais tantôt, habituellement il est 89,99 plus taxes, ça monte plus haut que 100$. Et en ce moment, figurez-vous que le jeu est à 77,39. Oh, une aubaine. Donc, 11$ de moins, on vous paye les taxes. C'est la première fois qu'il est en solde là, depuis sa sortie. Ça reste un jeu très cher, mais n'oubliez pas que vous avez énormément d'heures de jeu là-dedans. Puis, écoutez, pitchez-vous si vous n'avez pas fait ça. Puis, si vous l'avez déjà fait, pitchez-vous. Moi, j'ai pas regretté mon voyage, vraiment pas. Ah, ben excellent. Moi, je vais te dire, oui. Je ne le jouerai pas parce que j'ai un, pas de PS5 et deux, pas de patience pour ce genre de jeu-là. Mais je te félicite quand même de l'avoir accompli, ce challenge insurmontable. Ben... Pour moi, petit mortel que je suis, qui ne joue pas à Demon's Souls puis à Dark Souls. Ah, écoute, je peux pas parler de ce jeu-là là, au moins une fois là, à Radio Pointo, parce que c'est vraiment un jeu qui m'a marqué, là. Honnêtement. Ben excellent, ben merci. Ouais. Je sais pas si tu avais d'autres sujets que tu m'avais pas dit en début d'émission. Mais... Non, j'ai fait le tour. Fait le tour. À part, si on est sur notre fin, j'imagine qu'on a des petits messages à faire pour dans deux semaines. Certains prochains épisodes ouais. de tout le monde, c'est le 11 juin prochain. 11 juin prochain qui va être l'épisode 5 de Radio Pointo. Et. On a l'immense honneur de vous annoncer qu'on va recevoir... Bientôt la centième, tout le monde. Ben oui, on est à 80... Ma fille m'a demandé ça aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire à votre centième? Ben, je dis, c'est parce que c'est dans un petit bout, là, la centième. Là, à coup de deux semaines, ça va prendre 2 ans. Fait que... C'est ça. Excuse, je t'ai coupé. Ouais, non, mais c'est ça. Mais pour notre cinquième, on va recevoir nul autre que... un gars qui vient de Montréal-Est et qui a une grosse carrière à la télé, je vous annonce que Bob le Chef va être avec nous à Radio Pointo le 11 juin prochain. C'est magnifique. Bob le Chef qui a d'ailleurs déjà eu une chaîne Twitch qu'on a appris au dernier épisode avec El Frank. Ouais. Ouais. Donc, il connaît les rudiments de Twitch. Alors, on est bien content de recevoir Bob le Chef au prochain épisode. Et pour ma part, moi, il me reste une seule société secrète à vous parler. Il s'agit de l'Ordre équestre et militaire du Saint-Sépulcre que je vais aborder lors du prochain épisode. Ce sera ma dernière société secrète de la région. Et après ça, on va embarquer dans une histoire de true crime passionnante. Oh, j'ai hâte. Ben oui, fait que c'est ça. Toi, je sais pas si tu as déjà pensé à tes prochains sujets, mon ninja. Non, toujours, toujours un peu en recherche d'eux, évidemment. Ça va venir, non? Mais c'est pas les sujets qui manquent à Pointo, honnêtement. Oui, je sais, mais c'est de trouver le bon, tu sais, puis oui, il va en avoir. C'est ça, bon, mais Oui. Fait que c'est super, puis... Malheureusement, je peux pas les présenter ce soir, là, si c'était ça le but de ta question. Non, c'est ça, je sais pas encore. Fait que je vous rappelle... Oui, c'est bon, mais merci. Fait que je vous rappelle que pour la musique de l'intro...
C'est une gracieuseté de Holly Pitt et Luc Villandré qui nous permettent d'utiliser leur chanson pour ben leur tune pour notre intro. Et puis, ben, je vous rappelle que si vous voulez un chandail de Radio Pointeau, c'est juste ici sur la boutique Etsy de 400 cases que vous pouvez vous le procurer. Nous sommes rejoignables sur les plateformes de YouTube et de Facebook que vous pouvez rejoindre via les liens ici qui sont à Commercial Radio Pointo sur Facebook. Et si vous cherchez Radio Pointo sur YouTube, c'est là que vous allez nous trouver également. Donc voilà pour les petites annonces. Et je vais lancer les crédits. Je sais pas si t'as. Je vais voir si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Les crédits. Ouais! Hey, on Merci. A des crédits. Ben oui, ça déroule. Fait que je vous remercie d'encourager Radio Pointo cool. tout le monde. Merci d'avoir été là ce soir pour notre épisode numéro 4 de Radio Pointo. Merci de nous encourager. Beaucoup. Merci pour les follow. Yali Chandap. Deepicon qui se sont joints à la grande famille de 400 cases et la plus petite famille de Radio Pointo parce qu'on est aux deux semaines à Radio Pointo. Mais merci, c'est un va pas sans l'autre. C'est aussi simple que ça. Et hey, puis allez jouir de votre déconfinement aussi. Là, on est vendredi, il est 9h15. C'est ça, fait que vous avez le droit d'aller dans les cours de vos amis. Hein? Je sais pas si tu pognes le message. Ben oui. Ben oui. Hey, ben viens donc dans ma cour. C'est toi qui Quoi? Quoi? Ben oui, viens faire un tour dans ma cour. On s'en va dans ma cour, mais avant ça, on va faire un raid. Je sais pas s'il y a quelqu'un dans le chat qui a une idée de raid. Capor, Martin. C'est Martin, Papor. Bien content. Bien content que tu sois là. Ben oui, t'es resté jusqu'à la fin. C'est super. Hey, moi, j'ai le goût d'aller faire un petit. Soit j'ai deux options. Soit qu'on va raider les geeks contre-attaque ou je vous fais découvrir False Snow. Je vais y aller avec False Snow, honnêtement, parce que c'est un gars qui est pas très connu. Il n'y a pas beaucoup de viewers, mais c'est vraiment écœurant ce qu'il fait. C'est il mixe de la musique avec des vidéoclips. Il fait comme des mélanges de vidéoclips live sur Twitch. Oui, chérie. C'est spécial. Fait que je vous encourage à aller voir ça et lui faire un petit follow aussi. Oui, c'est souvent bien psychédélique. C'est souvent très psychédélique. Hier, il a mis un rappeur français qui est un de ses amis. Je pense que c'est un français, d'origine. Son ami rappeur français, ça me faisait penser au groupe Clouded. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Là. Un groupe de rap vraiment, vraiment là, très psychédélique californien qui n'existe plus aujourd'hui. C'était deux. En tout cas, bref, c'est un super. Un site vraiment hot, fait qu'on y va, on raid, Alex. Ben, go, hey! Fait que restez là pour le raid, ça vous donne des points de chaîne, les cases. Ouais. Vous pouvez utiliser les cases pour faire toutes sortes de choses. Je vous invite à aller voir ce que vous pouvez faire, au cas où, parce qu'il n'y a pas personne qui les a utilisés ce soir. Alors, on y va en raid, tout le monde, merci! Merci d'avoir été là à Radio Pointo. Merci Ninja Coiffeur. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Radio Pointo le 11 juin prochain. Sinon, moi, je suis en live dimanche soir à 20h sur la chaîne de 400 cases. Manquez pas ça, tout le monde. Merci d'être là. Bye. Salut.